Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Doumbéa Rivière, c'est un petit paradis à seulement 3 quarts d'heure de Nouméa et franchement c'est super sympa, je vais vous emmener, je vais vous faire découvrir avec moi ensemble. Je vais vous faire découvrir les rivières, les petites randos et là c'est direction les marmites. La bonne nouvelle à Doumbéa c'est que la baignade est libre, mais ce que tu constates c'est que c'est encore un peu sec. On va continuer à marcher, peut-être qu'on va trouver de l'eau quoi. Et on n'est pas bien là ? Ah, t'es seulement derrière ton ordinateur. Mais je te comprends. Je comprends que tu m'envies, mais en même temps, un petit paradis à une heure de Nouméa, ça se mérite. Putain, c'est chaud. Alors, Océane, premier voyage ? Ouais, première expérience à l'étranger. Ouais. Pendant longtemps. Et alors, beaucoup de pression ? Aucune. C'est ouais. Ça qui est bon en fait. Voyager, c'est facile ? Ouais. D'accord. C'est facile. Et donc là, tu pars pour un an de tour du monde. Enfin, non, pas tour du monde, mais là, tu pars pour un an de voyage en Océanie. C'est ça. D'accord. En Océanie, Nouvelle-Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande et un petit peu d'Asie pour finir. Et la partie de Tasmanie, tu oublies. Et la Tasmanie, partie la plus bien sûr. Spectaculaire de l'Australie. C'est ça. D'accord. Ok. Ça va, et t'as un gros budget, non ? J'ai 10 000 euros. Ah oui, donc ça va. Et visa vacances travail, elle va pouvoir travailler du coup. C'est ça. D'accord. Si les fins de mois sont difficiles. Oui, bah y a pas de raison, ça va le faire. Tu vas trouver facilement en Australie. Bah j'espère. Allez, nous on continue direction les marmites. Dans le parc national de au parc de Doumbéa. Et à l'image de la Calédonie, comme tu peux l'observer, c'est blindé de touristes. Le problème, c'est que je sais pas où marcher, tu vois. Il y a tellement de touristes que, bah, c'est contraignant, on va dire. Tu vois, c'est très contraignant. Toujours plein de monde. T'arrives pas à apprécier les paysages à leur juste valeur, comme tu peux le constater. Alors si vous êtes à Nouméa et que vous cherchez un endroit pour vous reposer le week-end, bien sûr, Doumbéa, c'est le classique si vous êtes en week-end ou vous travaillez localement. De toute façon, les locaux vont vous dire très rapidement. Je vous invite fortement aussi, si vous êtes à Nouméa, d'aller vers la baie de Prony, Yate, c'est très sympa. C'est une des plus belles plages que j'ai vues de Calédonie au niveau de Yate, au niveau du Canoe College. Je vous invite à voir le premier épisode. Allez, je continue à prendre la route. Direction les marmites, les amis. Voilà la dernière partie de l'aventure et là je peux te garantir ça commence à être un peu extrême. Si tu fais un faux pas en fait, alors peut-être pas la mort mais en gros tu peux avoir des problèmes on va dire. Tu vois, je sais pas si tu vois les rochers. Je sais pas si vous voyez les rochers là mais c'est en mode voilà c'est un peu tendu. Donc là on se dirige vers les marmites. Le dernier point d'intérêt les amis. On va au bout des choses à Doumbéa. Doumbéa Rivière. Alors il y a une règle en Calédonie, c'est de commencer les choses très tôt. Sinon tu te retrouves en fait comme moi, où au final bah t'as la nuit qui va commencer à tomber, tu vas finir à la lampe torche. Et ici la nuit, bah au mieux il va faire nuit à 7h30 et sinon au pire c'est 6h en gros. Donc c'est pas comme en France où ça pousse jusqu'à 9h30. Donc on se lève tôt ici en Calédonie, n'est-ce pas? Ouais. On se couche tôt en Calédonie. Et on se lève. Non, c'est vraiment ça. Non, on se la fait. On se couche tôt et on se lève tôt. On se couche. Donc en Calédonie c'est on se. En Calédonie on se couche tôt et on se lève. Tôt. T'as entendu. Leçon à retenir. T'as entendu hein. Alors au parc de Doumbéa, je vous conseille d'arriver équipé. Je sais pas si vous le voyez à la caméra mais c'est extrêmement chaud. Franchement, un faux pas était mal barré. J'ai failli glisser à plusieurs reprises, surtout que la roche est extrêmement glissante. Mais comme on dit, on va au bout des choses les amis. On est pas mal là. Là comme on est bien là.